Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, troisième training cardio HIIT. Bon, bah, la surprise est un peu gâchée. Ouais, gâchée, ouais. C'est Gégé qui va faire le training avec nous aujourd'hui. Ouais. L'invité surprise. Ça roule, là? Ouais, c'est bon. Allez, petite course tranquille. On chauffe. Allez, la team, hein. On perd pas la motivation, bien au contraire. Ouais. On va bien transpirer. Ça va jusque là? Pour l'instant, ça va. Ok. Chauffez un petit peu les poignets. Non, les poignets, pas les mains. Ok. J'avoue, on est dehors, on a trop froid, mais bon, on va se réchauffer. Voilà, chauffez un petit peu les poignets. Pensez à votre respiration. Voilà, si c'est dur au niveau des impacts, tu marches. Ici, hop, petit mouvement. Voilà, avec les épaules pour bien échauffer toujours les articulations. Je vais peut-être enlever mon gilet pour le micro, ce sera mieux. Oui, je pense que ce sera mieux. Voilà. Allez, ici, sur des petits tours de bras, tranquille. C'était pas prévu de ce sens. Voilà, petit tour, tranquille. Si t'es toujours en petite course, tu peux. Ça va? Ok. Voilà, tranquille, tranquille. On souffle. Ok, ici tout doucement, un petit peu avec les chevilles, on vient faire des petits tours pour réchauffer toujours les articulations. Voilà. Ça me fait bizarre d'avoir à côté de moi, je vais le surveiller. C'est de la chance, hein. Vraiment c'est inédit là. L'autre pied, voilà, petit tour avec les chevilles. Tranquille, tranquille. Si vous nous rejoignez, allez-y, hein. On commence seulement l'échauffement. Ça va jusque là? Allez, ici avec les genoux, petit tour. Voilà, tranquille, vous pouvez le faire d'un sens puis de l'autre. L'autre, j'arrive pas. Et là, allez, on va attaquer le cardio tout doucement. Allez, go. Ici, on va commencer avec des petites montées de genoux. Voilà, genoux à hauteur de hanche. Et si tu peux pas faire d'impact, ici, tout simplement, sans saut, tu viens, hop, faire les montées de genoux. Tu penses à bien souffler. Voilà, Gégé, il fait l'option plus difficile parce qu'il est au taquet. Bravo, hein. Et moi, je suis sans impact, option plus facile. Allez, hein, on est motivé, on est à fond. On met du rythme, on met du rythme. Allez, on accélère. Droite, gauche, droite, gauche. Allez. On souffle, on souffle. Ça va jusque là? Allez, Gégé, les genoux plus haut. Ah, c'est bon. Voilà. Allez, petit talon fesse. Ici, voilà, les talons vers les fessiers. On active les bras et on pense à bien souffler. Ça va? Ici, option facile, sans impact. Hop, t'actives les bras et tu viens chercher talon fessier. Hop, voilà. Là, on échauffe tout, articulation, cardio. On se met tout doucement dans le corps de séance. Ça va toujours? Ça va, ça va. Option plus facile, droite, gauche, droite, gauche. Allez, mets du rythme. Hop, on enchaîne, on chauffe tout doucement. Voilà. Fais l'option plus facile si c'est trop dur, hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en story. Vaut mieux faire une option facile et mieux faire le mouvement. Essayez d'être léger au niveau des impacts et de bien souffler. Allez, mets du rythme, mets du rythme. Hop. Souffle. Ça va toujours? Ah bah oui, ça pique. Allez, montez de genoux, on y va. Go. Allez, montez genoux, à hauteur de hanche. Soufflez bien. Ici, option plus facile. Hop, et j'active de chaque côté. On souffle, Gégé, on souffle. Voilà. Allez, la team, on est sur l'échauffement, on est au taquet, on y va, talons fesses. Hop, talons vers les fessiers. Et on est là pour brûler un max de calories pour se dépenser avant l'été. Allez, hein, on est motivé à 200%. Toujours l'option facile ici. Hop, on l'oublie pas si ça devient trop dur.
sol. Je suis mort. Passez au sol. Petit mountain climbers. On fait une jolie planche et on avance les genoux. Droite et gauche. Voilà. Si c'est trop dur, tu restes pour le moment en gainage statique. Hop, en planche et tu maintiens la position. Tout simplement, ok? Si c'est trop dur, tu poses les genoux au sol. Tu penses à l'alignement. Les épaules, les coudes et les poignets sont alignés. Tu as bien le poids de corps dessus. Tu as le dos droit et les abdos serrés. Ça va? Ok. D'ici, on descend en gainage. On descend sur les coudes. Au choix, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Toujours le dos, GG, c'est mon cobaye. Le dos bien droit, le ventre rentré et les abdos bien serrés, bien gainés. Allez, soufflez bien. Allez, c'est les dernières ici. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ça va? Ouais. Allez, buvez un coup. T'as déjà chaud? Enlève ton pull. Ok, on attaque le corps de séance. C'est bon, GG, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, je remets la musique. Vas-y. Allez, go. Oh, je suis déjà essoufflée, moi. Oh. Il va falloir travailler ce cardio. Hein. Allez, go. Laissez aller, là. Même moi. Allez, on part. Le premier, les fentes. On y va? Allez, fente. Saute. 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 Voilà, moi je fais l'option plus facile ici, sans saut. Et GG, il fait vraiment celui avec l'impact. Hop, hop. Allez, donnez tout, hein. On met de l'intensité, on met du rythme. Wouh. Et si ça devient trop dur ici, tu fais l'option plus facile. Voilà. Wouh. Ça pique déjà. Je commence avec mes ou, c'est ça? Ouais. Tu te fous de ma gueule à chaque fois. 3, 2, 1, et relâche. Souffle. Souffle tranquille. Relâchez un petit peu les cuisses. Et on a encore les courbatures. Hein. Ouais. Toi, tu les as pas faites, mais nous, on les sent. Climbers dynamique. Saute au sol. 4, et tu remontes. Allez, go. Saute. 4, 1, 2, 3, 4, et tu repousses. Saute. 1, 2, 3, 4, et tu repousses. Si c'est trop dur, tu le fais doucement. Saute et doucement. 1, 2, 3, 4, et tu sautes. Si c'est trop dur, sans saut, descends en planche. Soit tu fais les genoux, soit tu les fais pas, et tu remontes sans saut. Allez, on met du rythme. Wouh. Allez, on fait brûler un max de calories. Allez, GG. 3, 2, 1, soufflez. 20 secondes de récupération. On sera dans Ninja Warrior. Il est mort. Ok. Gainage ventral au sol. T'es prêt, GG? Allez, on est parti au sol, sur les coudes, et on y va. Ici, on lève un bras et on lève l'autre bras. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Si c'est trop dur, tu le fais sur les genoux, mais n'oublie pas d'avoir le dos bien droit et les abdos bien serrés, en pensant toujours à la respiration. Là, tu dois sentir vraiment que tes abdos sont engagés parce que tu n'as pas le dos qui est relâché. Tu n'as pas le dos qui est creux. Hop, t'engages un max les abdos. Dernière seconde. Allez, Jérôme. Allez, la team. On est à fond, on est à bloc. On veut brûler un max. Et relâche. Ouh. Et relâche, relâche. J'avoue, je serai dans Ninja Warrior avec mon chrono. Pensez à boire entre deux. Relâchez un petit peu. Et on enchaîne sur les squat jump. Vous allez me haïr quand j'ai mis cet exo. J'ai pensé à vous direct. Mais bon, très efficace. On y va? Allez, go. Ici, squat jump. Squat jump. Si c'est trop dur, ici, squat genou. Squat genou. Mais tu mets du rythme, hein, même si t'es sur l'option facile. Hein. Hop. Croyez-moi, même les options faciles, elles bossent. Allez, à fond, à fond. Et j'ai
léger si ça devient trop dur. Option facile. Ah, je suis honteux. Hey. Honteux. Mettez du rythme. Décollez un max du sol. On essaye d'être gainé sur le squat. Abdos serrés, dos droit. On inspire et on souffle sur la remontée. Allez, la team, allez encore un petit peu. C'est les dernières. 4, 3, 2, 1. Et soufflez. Ah, mes cuisses. Oh my god. Soufflez, soufflez. Allez, on repart. Prochain exercice, crunch au sol. Les genoux écartés. Là, on descend au sol. Et on y va, go. On repousse, hop. Descend. Jérôme, t'as des trop grandes jambes. C'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Si c'est trop dur, tu ne remontes pas jusqu'en haut. Tu fais juste décolle omoplate et redescends. Décolle les omoplates et redescends. Si sur ça, ça tire trop dans la nuque, à la limite, tu peux même mettre les mains derrière la nuque pour soulager. Allez, Jérôme, on envoie là. C'est bien, je suis fière de toi. Allez, l'équipe, à fond. Dernière seconde. Dernière seconde. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. Récup, récup. Et premier tour validé. Ça va? Il en reste 3. J'aime trop faire ça. Il va me détester. Je vais mourir, nos jambes en PLS. Ah, je vous jure, les brûlures horribles. Oh, c'est pareil. Et Jérôme, on y retourne? Feinte et saute. On y va. Feinte, saute. Feinte, saute. Là, il y a un petit saut au milieu. Si c'est trop dur, option plus facile, sans impact. Droite et gauche. Allez, encore un petit peu. Saute. Droite, gauche, essaye de fixer un point. Essaye de trouver l'équilibre. Le dos, il est droit, les abdos serrés. Et pense toujours, angle droit sur l'avant du genou. Allez, et Jérôme, c'est maintenant qu'on donne tout. Après, on peut plus, c'est fini. C'est tout de suite. Allez, on le fait, c'est à 200%. 2, 1, et souffle. Soufflez, soufflez, 20 secondes. On repart sur nos petits climbers dynamiques. Saute, 4 genoux et ressaute. Allez, on repart bientôt. On y va? Allez, go. Saute, 4, 1, 2, 3, 4 et saute. 1, 2, 3, 4, saute. Allez, mets du rythme. Soit tu fais les genoux lents, soit tu les fais rapides. Ou alors tu le fais sans impact. Planche et remonte. Hop. Option plus simple. Hop. Pensez à souffler. Hein. Allez, Gégé, souffle. Allez, on s'accroche. On est tous ensemble. On se bat. On résiste. Allez. Encore. Allez, 4 genoux. 1, 2, 3, 4. Saute. Et celui-là, non? Allez, oui. Ouais, c'est atroce. Buvez un coup, récupération. On enchaîne sur le petit gainage ventral avec rotation. On est parti? Allez, go. Allez, un beau gainage. Et là, on y va. Rotation et tu ramènes. Rotation et tu ramènes. Expire quand le bras, il monte. Inspire quand tu reviens au sol. Si vous n'êtes pas à l'aise, on fait la même chose sur les genoux. Tout simplement, en engageant toujours les abdos un maximum. Le dos ne se relâche pas. Pas comme ça. Hein. Hop, on engage. Allez, allez, c'est les dernières. Pensez à souffler. On s'accroche, on résiste. On est là pour tout donner. 20 minutes seulement de cours. C'est maintenant. Allez, et relâche. Buvez un coup, récupération. Ça va? Ok. On y retourne sur les squat jump. Plutôt fente ou plutôt squat? Moi je préfère les fentes perso quand même. Allez, ready, go. Squat, jump. Allez, squat dynamique. Allez, essaye de décoller un max du sol. T'inspires et tu souffles. Essaye de toujours avoir le dos droit, les abdos serrés. Et là, si c'est dur, ici.
petit peu, mais on essaye de se battre, on essaye de résister contre la brûlure, contre la fatigue. Allez, inspire, souffle, c'est les dernières, et relâche. Waouh, oh là là, c'est normal. Et HIIT, hein, c'est un HIIT training, hein. Haute intensité, c'est court mais c'est intense, c'est bien, ça décrasse. Ok, prochain exercice. C'est bien. Le petit crunch. Allez, au sol. Genoux écartés. Go. Descends. Pousse. Et là, vous essayez vraiment de gainer les abdos un maximum. Et là, tu places la respiration. Expire sur la montée et inspire sur la descente. Si c'est trop dur, tu décolles juste tes omoplates et tu redescends. Si t'es à l'aise, tu vas chercher jusqu'en haut. Allez la team, on est à fond. Encore une fois, ça dure que 20 minutes. Pensez à ça, pensez à votre body. Allez, là on brûle du fat, on brûle du gras. Allez, 3, 2, 1, relâche. Yes. Ok, il nous reste deux tours, deux petits tours. Je veux que sur ces deux tours, vous donniez tout ce que vous avez. C'est pas après, c'est maintenant, ok? Allez, on envoie toute l'intensité, le rythme. Ok, G? Pour brûler un max. On y retourne, fin de sauter. Allez, préparez-vous, go! Allez, saut, fente, saut, fente. Là, il y a un petit saut au milieu et tu fais une fente. Hop, voilà. Inspire, souffle, inspire, souffle. Yes, si c'est trop dur, sans saut. Ou alors si au bout d'un moment, t'en peux plus, t'es cuit, et bah tu n'abandonnes pas, mais tu fais l'option facile. Angle droit sur l'avant du genou, abdos serrés, dos droit. Allez, viens chercher 10 secondes. Allez, c'est la dernière, mets du rythme, accélère. 4, 3, 2, 1, relâche. Yes. Allez, récupérez. Est-ce que tu as plus chaud, G? Ça va mieux? Allez, allez. Gainage ventral. On y va. Climbers dynamique, pardon. Climbers. Saute. 4, 1, 2, 3, 4 et pousse. 1, 2, 3, 4, pousse. Si c'est dur, sans saut. Soit tu mets les genoux, soit tu les mets pas. Et ensuite, tu remontes sans saut. Si t'es sur l'option plus difficile, allez, rythme. On s'accroche, on essaye d'avoir les genoux qui sont proches du sol. On essaye de bien penser à la respiration. C'est les dernières secondes. Allez, 5 secondes. Lâche pas maintenant. 3, 2, 1. Et souffle. Récupération. Il est mort. Ok. Gainage ventral au sol. T'es prêt, Gégé? Allez, on est parti. Au sol, sur les coudes. Voilà, rotation. Si c'est dur, ici, tu as l'option sur les genoux. Inspire et souffle. Essaye d'engager les abdos au max. Allez, la team, on a bientôt terminé ce cours. Il est court, mais on dirait qu'il est interminable, non? Il m'a dit 20 minutes. Oh, ça va, je vais le faire. Il m'a tué. Allez, allez les chercher avec moi. 3, 2, 1, soufflez. Et on commence ensemble, on finit ensemble. Récupérez. On enchaîne sur les squat jump. Je vois que ça souffre. C'est bien, vous vous battez. C'est bien, soyez fiers. Allez, on a bientôt terminé. Squat jump. Jump, squat, jump. Allez, mets le rythme. Hop, hop, dynamique. Ouh. Allez, la team. On est à fond. Motivé à bloc. Allez, allez, on donne tout. Si c'est trop dur, squat, genou. Squat, genou. Allez, venez les chercher. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Si c'est trop dur, tu y vas plus doucement. Tu prends ton temps. Mais tu lâches pas. Allez, je décompte.
bientôt terminé. Ok, 20 secondes, 20 secondes. Ouais. Les 20 secondes, on dirait, elles durent 2. Allez, ensuite, on enchaîne au sol avec les crunchs. Allez, allez. Dernier tour après ça. Allez, GG. Ici, descends et viens chercher vers le haut. Hop. Et là, tu expires sur la montée et tu inspires sur la descente. Si c'est dur, hop, tu décolles juste le haut des omoplates. T'essayes vraiment de placer ta respiration. Souffle sur la montée et inspire sur la descente. Allez, la team! Motivé à 200%. Le body summer, c'est maintenant. Allez, c'est pas après, hein. C'est là qu'on se donne à fond. On applique les options, mais on lâche pas l'effort. 2, 1, et soufflez. Ça va? GG, il est en nage, mais c'est bien. Merci Laura du soutien. Et le micro, il est là. On dirait un bus. Ok, on y retourne. Dernier tour, G. Allez, fin de sauter. Ready, go. Allez, hop. Saute, fente, saute. La dernière fois que vous faites cet exercice. Enfin, en tout cas pour cette séance. J'ose pas trop crier parce que je suis dehors, je vais réveiller tous les voisins. Du coup, je hurle un petit peu moins. Allez, battez-vous. Battez-vous la team. Hop. On applique les options si c'est trop dur. On descend un peu moins bas. Même sur l'option dure, facile, on descend moins bas s'il faut. Mais on essaye d'aller chercher jusqu'à la fin. Les répétitions. 2, 1, et soufflez. Oh là là. Il nous reste 4 exercices et c'est fini. Ça fait combien? C'est les 4 minutes. Là? Ouais, oh là, je n'ai même plus compté. 4 minutes et c'est fini. On y retourne. Climber, saut. Allez, si. Dernière fois que tu le fais, j'ai. Allez, go. Saute. 1, 2, 3, 4. Saute. 1, 2, 3, 4. Saute. 1, 2, 3, 4. Allez. Si c'est dur, lent. 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 Et tu repousses. Sans saut. Et tu peux même enlever les genoux si c'est trop dur. Tu restes en planche et tu repousses. Fais-le à ton rythme. Prends le temps. Inspire et souffle. Allez. Allez, allez, on met du rythme. C'est les dernières secondes. Allez la team. 3, 2, 1. Souffle. Ouh. Ça va? Ok. 3 exercices et c'est terminé. Mon corps n'aime pas les fentes. Je sais pas, tu préfères les squat jump ou les fentes toi? Ok, un gainage. Allez go. Moi franchement je préfère les fentes. Les squat jump ça me... oui ça me détruit les squat jump. Allez ici, gainage ventral et gainage latéral enchaîné. Si c'est dur, l'option sur les genoux. Allez la team, on a terminé. Il nous reste 2 putains d'exercices. Désolé, je suis vulgaire. Mais quand on le fait à fond, eh ben on le ressent. Hein. Allez, on expire sur la montée du bras et on inspire. 10 secondes. C'est les dernières, je décompte. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez. Oh la vache. 2 exos. Et c'est terminé. Est-ce que tu vas les faire? Ah, j'aime ça. C'est génial. Allez, 2 exercices et on a terminé. Venez chercher l'intensité, le rythme, c'est maintenant. Allez, squat, jump. Squat, jump. Allez, 40 secondes à fond. On essaye de décoller un max du sol. On pousse dans les cuisses. On garde les abdos serrés. On inspire et on souffle. Allez, allez, allez. Lâche pas le rythme. Allez, si c'est dur, hop, squat, genou. Squat, genou. Allez, mets du rythme. Mets du rythme, accélère. Accélère. Allez, allez, Jésus, 15 secondes. Viens chercher. Allez, 10 secondes. Allez, allez, prends l'option facile si tu peux plus. Mais lâche pas. 3, 2, 1. Relâche. Ça, c'est les pires.
T'en dis pas, mais... Ouais. 40 secondes et c'est fini. Allez, GG, c'est les dernières là. Je sais pas vous, mais j'en peux plus. Il est où? Il en peut plus. Mais faut les motiver. Pourquoi j'ai signé? Dans quoi je me suis engagée? Ouais. Allez, les crunchers, c'est fini la team. Go. Allez, décolle et repart. Décolle et repart. Expire sur la montée et inspire sur la descente. Allez, mets du rythme. Si tu peux pas, ici, tu décolles juste le haut des omoplates. Et c'est tout. Mais ça bosse largement assez. Allez, accrochez-vous. C'est les 20 dernières secondes. On vient chercher haut. On décolle, on serre ses abdos. Allez, 10 secondes. Passe vite, hein? Ouais. Ça va. Ça va. Ça va. Ok, génial. J'espère que ça va. Hey, il fait chaud, hein? Ah ouais, franchement, et on est dehors, mais on dirait qu'on est à l'intérieur. Non, non, non. Ici, vous allez attraper une cheville pour étirer un petit peu les quadriceps qui ont bien mangé sur la séance de lundi et sur les squat jumps d'aujourd'hui et sur les fentes aussi. J'ai même plus l'équilibre. Si c'est dur sur l'équilibre, tenez-vous. Hein. Là, vous devez ressentir l'étirement. Soufflez bien. Allez, on fait pareil de l'autre côté. On attrape ici une cheville, on étire. Allez, là, on en profite pour relâcher la respiration. On essaye de relâcher ses bras, ses épaules. Ça va? Ok. Ici, un talon dans le sol et tu descends tout doucement vers l'avant pour étirer l'ischio. Là, tu tends la jambe. Voilà. Oh my god, même ça, c'est dur. Alors, remonte. Ouais, bah voilà, parfait. Vous y allez tranquillou, hein, tu fais pas un claquage. C'est bien, hein? Ouais. Ok, de l'autre côté ici, tranquillement, le talon dans le sol et tu descends pour attraper. Voilà, le pied. Soufflez, hein? Les auréoles, on les a vues, GG. C'est ma gueule. Le pauvre. Je transpire à mort. Je vois ça. Relâchez tout doucement. Placez ici les mains sur le haut des genoux. Relâchez votre nuque. Et là, vous desserrez les omoplates. Tu desserres. Voilà. Et là, vous sentez vraiment le dos qui s'étire, qui se relâche. Et vous essayez de relâcher la tête. Vous ne mettez plus aucune tension dans la nuque. Tout se relâche. J'essaye de garder une respiration lente, profonde. On laisse redescendre le rythme. Vous allez relâcher les bras. Vous essayez d'aller toucher les pieds avec les mains. Vous voyez, hop. Même si les genoux sont pliés, c'est pas grave. On cherche pas à se faire mal. On cherche juste à détendre le dos et aussi un peu l'arrière des cuisses. Lâche les bras et on va remonter tout doucement, prenez le temps, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Ici, on va étirer un tout petit peu les épaules, on fait une pression au niveau du coude, mais on essaye, voilà, de ne pas voir le coude qui est haut, mais le coude qui est plutôt relâché. On inspire et on souffle. On fait pareil de l'autre côté. On me dit que je commence à prendre l'accent du sud. Ah ouais? Sérieux? On se rend pas compte, je crois. Tu savais déjà un petit peu. Oui, il y a des gens qui m'ont dit que j'avais déjà un peu l'accent alors que je viens du nord. Hein, mais. Picardie. Par exemple, quand je dis... Enfin, normalement, on doit dire Jérôme. Moi, je dis Jérôme. Donc voilà. Déjà, ça, c'est bizarre. Je sais pas si... Enfin bref. On relâche tout doucement. On sent pas les steaks. Allez, ici, on prend une grande inspiration. On se grandit vers le haut. On essaye d'étirer la colonne vertébrale un maximum. On plie les genoux et on expire. Allez, on étire l'oblique, là. On inspire, on se grandit. On plie les genoux et on souffle. Qui vote pour que GG fasse des séances de stretching? On va le retrouver partout. Inspire, grandis-toi. Et là, en expirant, tu relâches tout vers l'avant. Tu relâches tes bras, tu relâches ta tête et tu vas remonter tout doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier pour terminer cette séance. Wow! Bravo tout le monde! Bravo!
je suis fière de vous.